Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Vincennes, voici Bolivar avec Tranquilla, on l'a venu. Et il est une facile, pas débouché. Non mais impressionnant. Ah. Ils ont tout fait pour le bac. Ah. Ah. Attends, j'ai pas vu, on faisait 1 et 2. Putain. Combien 3. Ouais, 3. Bah tiens, je vais prendre la couverture. Hein ? Il voulait vraiment montrer qu'il était beaucoup plus fort que les autres ou quoi ? Il hein tire les émotions. C'est complètement fou. Non, franchement, c'est dingue parce que, j'ai envie de dire, si le parcours avait été trop facile, on aurait dit oh, les autres n'ont pas osé, etc. Et là, il a fait une démonstration parce que un parcours plus pourri, c'est pas possible. J'espère que Franck m'entend pas. Et oh là là, mais c'est un monstre, hein, un monstre. Hein. Super. Vous ne regrettez pas d'avoir acheté? Ah non, mais même s'il n'avait pas gagné, j'aurais pas regretté. Rien que pour vivre des moments comme ça. Vous savez, aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut faire vibrer un vieux monsieur comme moi plus grand chose, hein, surtout si ma femme me regarde. Ici quand même. Hey, ça, c'est pas bien de mieux. Non, qu'est-ce que tu fais? Du coup, vous voulez pas avancer? Eh, merci, tranquille. Super. Extra. Sébastien, bon bah nouveau succès, c'était attendu hein, cette fois-ci. Ce héros, hein. Ouais. À toi. Non, je rigole, mais non, c'est affreux quoi. Là, on gagne tout et puis les choses sont super bien. Bold, il a répondu présent. C'est la course qu'il fallait pas rater parce que tellement tout le monde nous disait qu'on était imbattable. À la fin, je me suis dit, tiens, il va nous arriver peut-être une connerie. Ouais, enfin, là, vu le parcours que tu as eu, il était vraiment imbattable. Bah, il a très bien drivé, Franck. Ouais. Hein. La main froide dans l'appel, hein, non. Pour le coup, il a fait pas mal d'extérieur, mais bon, il était obligé d'y aller, quoi. Et ensuite, voilà. Et après, quand il a eu un montant, je dis c'est bon, c'est gagné parce que Charles Bocconi, il repart à chaque fois. Dans le dernier tournant, quand il a accéléré, on a l'impression, c'est pas péjoratif du tout, mais que les autres marchaient à côté. Mais ouais, il a un coup de jarret terrible, il paye pas de mine. Autant quand on voit Aladdin passer, on sent qu'il vraiment il force et on sent qu'il va vite. Que lui, il a la bonne allure et tout se passe bien. Et il a même pas débouché, donc quand il débouche, c'est un cheval qui repart à chaque fois. Donc il aurait pu gagner plus facilement encore. Quant à Billy, elle aussi fait une super valeur, elle est bonne troisième. Mais depuis le début du meeting, elle a changé la jument. Autant au printemps, elle était un peu fatiguée, la jument. Dans le prix de l'étoile, elle était un peu fatiguée. Et là, la jument revient comme avant. Depuis que je la travaille un peu moins, elle est beaucoup mieux. Donc, elle fait sa valeur. L'année dernière, tu gagnais ce critérium des 3 ans avec Aladdin des Cajoles. Cette année, c'est avec Bold Eagle. Est-ce qu'il y a des points de comparaison entre deux, mis à part que ce sont deux chevaux d'exception, on va dire? Bah, Aladdin, lui, c'était moins prévu. Enfin, moins prévu, c'est un cheval qu'il faut voir caché. Donc, déjà, on peut se faire enfermer. On a eu un très bon parcours l'année dernière. On est sorti au bon moment, puis il a placé sa pointe. Et Bold, on est archi favori de la course, c'est pas pareil. Donc là, il fallait pas la louper, mais on pouvait aller devant. La qualité des chevaux, Aladdin, c'est un cheval très puissant, qui a une pointe de vitesse terrible, qui a peut-être moins de tenue que Bold, on va dire. Mais quand il est dans les dos, il suit tous les trains. Et c'est vraiment le cheval, je pense qu'un jour, qui pourra gagner Hitlop, un truc comme ça. Et peut-être après d'Amérique. Mais je pense que c'est un cheval vraiment de piste plate, il fait la montée aussi. Et Bold, c'est vraiment le cheval de Vincennes, je pense. Il a la bonne allure, il trotte, il enroule un petit peu, et beaucoup de tenue. Juste une petite parenthèse, tu me parles, tu as évoqué le prix d'Amérique. À Aladdin des Cajoles, il y a beaucoup de professionnels, dont ton driver également, qui commence à avoir ses ambitions à la hausse. Est-ce que toi, tu y penses? Parce qu'au niveau des gains, ça peut passer déjà. Ça passera, parce qu'avec les 20% qu'ils vont nous mettre au compteur, ça passera. Après, moi, j'étais pas trop chaud en début de meeting, mais vu comment il finit là, deux fois qu'il gagne, qu'il se balade, le Continental, si on le gagne, ben, je pense qu'on ira quand même, parce que... c'est vrai que des fonds il faut prendre notre temps, tout ça, mais si ça se trouve, dans 6 mois, il boitera, ou il va signer des poumons, ou n'importe quoi. Donc, vaut mieux, s'ils sont bien, il faut les courir. Franck, ce Bold Eagle, avant le coup, on le disait, quasi invincible, et sur la piste, ça s'est vérifié. Bah oui, il a gagné facilement, surtout que ça s'est mal passé en partant. Je me voyais un peu mal barré dans le premier tournant, quand j'étais à 3, et en descendant à 3, je me suis dit, là, ça va être dur. Et puis finalement il y a un petit coup de frein en descendant, je me suis rapproché à ma main, mais bon, j'ai toujours été né au vent quand même. Mais après il était au-dessus du lot, j'ai gagné vraiment facile, j'ai même pas eu besoin de déboucher les oreilles, bon, il est vraiment au-dessus des autres. Il t'a chambré un petit peu Sébastien Garateau, il a dit quel driver c'est Franck?
Bah, c'est vrai que j'ai pas mené une grande drive, mais bon, je me suis fait avoir dans les premiers mètres de course. J'ai voulu partir derrière Biche des Clos et finalement elle a pas démarré. Et Mathieu a repris pour se ranger et bah, moi je me suis fait avoir, j'étais à 3. Quoi. Ouais, ça aurait pu être préjudiciable, mais bon, le chat a rattrapé les erreurs. Quoi. Dans le dernier tournant, quand tu ouvres les doigts, que tu accélères, on a l'impression qu'à côté ça va pas très vite. Ou est-ce que c'est le tien vraiment qui jaillit? Bah, quand on est derrière, on n'a pas une impression de grande vitesse. Mais il va tout le temps, il cale pas. Après, je pense que si j'avais débouché, il aurait encore été plus vite. Hein. En plus, il n'était pas fatigué après la course. Non, c'est impressionnant, il a un gros moteur. On va pas comparer les champions, mais toi qui as drivé son père, Eddy Cash, il y a des points de comparaison ou pas? Pas facile. Déjà, c'est deux chevaux un peu tendus quand même. Et lui, il a hérité de ça un petit peu en partant. Il faut faire attention, il est tendu un peu comme le père. Après, dans le parcours, lui, c'est un cheval froid. Le père était bouillant, il était obligé d'avoir un dos. Que lui, il a besoin de personne, il s'en fout. Quoi. Une fois parti, il est gentil. Il tire pas, il est maniable. Et bah, il s'allie vite et longtemps. C'est ce qu'on leur demande. Exactement. Philippe brillantissime, excellent deuxième. Oui, excellent deuxième. Pierrot ne l'avait jamais drivé, il l'a découvert au deuxième hit. Il a bien drivé, on a enrainé le cheval un tout petit peu plus long. Et le cheval a très très bien fini, il a calqué sa course sur Bill Montfort. C'est pas le jeu de Raffin de nous ramener sur le cheval de l'écurie Garato, sur le gagnant, mais on est ravis. C'est 2-3 quarts frères, 2 Eddy Cash, 1er seconde, 1 groupe 1. Bon, je suis très très content, je vais pas te dire, je suis très content d'être battu, mais je suis très content de la course de mon cheval qui a fait une énorme année. Il a fait une année de 3 ans exceptionnelle. Voilà. Juste une petite question qu'on aurait dû vous poser avant course, mais pourquoi c'était pas Joss qui était à son souki? C'est lui qui a choisi. Joss avait carte blanche, il connaît tous les chevaux d'écurie. Je lui ai demandé deux fois, j'ai dit attention, Be My Girl fait une rentrée, on peut mettre Pierrot parce qu'il a pas Mocador de cime, donc tu vas redriver ta jument après. Non, je mène ma jument. Bon voilà, donc c'est le nouveau driver de Brillantissime, c'est Pierrot Verpris. C'est noté. Les autres très très malheureux, Bert Parker, il s'est fait mettre hors course à l'entrée droite par notre ami Emmanuel Allard, qui a fait un petit strike à l'entrée droite. C'est dommage, je pense qu'il aurait été. Il était avec Biche des Clos, je pense qu'il aurait pu être 5e. On prépare vraiment le prix de Vincennes avec le cheval. Il a très très bien couru, il a fait deux foulées en partant, il s'est retrouvé loin, ce qui était pas mal dans une course avec beaucoup de rythme. Il aurait bien fini en dehors parce qu'il est un bon finisseur. Je pense qu'on aurait été 5e, il s'est fait mettre hors course à l'entrée droite. Voilà. Et Bimager n'est absolument pas prête. Mener un peu offensif dans les chevaux de tête, dans une course à rythme. Voilà, il a besoin de courir, bon c'est comme ça. Elle va courir deux fois en janvier maintenant. Je vous quitte pas. C'est les Louis d'or qui tombent. Je vous quitte pas sans vous demander ce que vous avez pensé de la prestation de Eddy Cash hier. Est-ce que comme nous, vous en savez pas plus? Pas plus, c'est c'est Nivard, on l'a. C'est Nivard qui le sait un peu plus. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme disent les Italiens, so-so. C'est ni bien ni mal, il fait 8,5 et 500. Personne n'a voulu le ramener. Je cours un peu à l'envers pour lui. La 7e place nous aurait beaucoup servi pour 2000 euros. C'est terrible de dire ça qu'un cheval qui a plus de 4 millions d'euros de gains. Maintenant, on est condamné à gagner. C'est la vie, c'est comme on le savait. Hein. On savait que c'était pas de la tarte. Maintenant, on va courir la prochaine Autostar 2100 sur les courses. On savait que ça n'était pas facile. C'est pour ça que c'est d'autant plus bonnant. Quoi. Voilà, on fait ce métier là pour ça. Le cheval est bien rentré. Il était très très souple, très très calme. Il n'était pas ridicule. Maintenant, peut-être que le choix sera ridicule, mais ça m'appartient. C'est moi, s'il y a une connerie de fait, ce sera la mienne de toute façon. Maintenant, mais pas de regret pour l'instant, il faut voir. Voilà, c'est un challenge. Ça nous repousse de 3 semaines, on verra. Dernière question. Je termine toujours par une question. Bah, je suis désolé, je m'en excuse à l'avance. Pourquoi le cheval, vous ne l'avez pas gardé à l'entraînement? Parce que quand vous l'avez envoyé chez Thierry Duval, vous disiez qu'il ne supportait pas gros bois, que ça n'allait pas. Là, il était chez vous, visiblement, il travaillait bien. C'est par correction que vous l'avez renvoyé chez Thierry? Jamais j'aurais osé entraîner le cheval. Alors ça, jamais. Mon orgueil, il y a longtemps que je me suis assis dessus. Non, il y a des choses beaucoup plus importantes que tout ça. Non, jamais, j'aurais pris aucune décision sans l'avis de Thierry Duval. Si Thierry m'avait dit non, on ne le reprend pas, basta, j'aurais même pas repris. Si le cheval avait dû aller aux États-Unis, comme il en était question à un moment au printemps dernier, ça ne se serait pas passé sans l'avis de Thierry Duval d'Estaing. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il a gagné 2 prix d'Amérique avec ce cheval-là, il a gagné 2 prix de France, 1 prix de Paris, 2 prix d'été. L'orgueil, non, il y a longtemps, je vous dis, non. Non, jamais sentir. C'est pas une question d'orgueil, c'est juste une question. Quand vous l'aviez envoyé chez lui, c'était pas orgueilleux, au contraire. Non, mais j'aurais pas fait. Non, j'aurais pas fait. Non, ravi de son travail, de tout. Non, il y a de la complicité avec Thierry Duval d'Estaing et Franck Nivard. Non, je reconnais le travail qui a été fait, très très bien fait. Non. J'essaierai un jour d'emmener un fils de Eddy Cash dans les grosses. Voilà. Franck, Bolide fait une bonne valeur aujourd'hui, une très bonne valeur même. Ouais, il revient comme il avait été à l'hiver de ses 2 ans. Maintenant,
pour moi, il n'était pas prêt pour être dans les 4 et je comptais être 5, 6, c'était parfait. Le parcours a fait que j'ai réussi à prendre un bon dos jusqu'à haut de la montée, puis après je suis ressorti, il a peiné les derniers 100 mètres, mais c'est très bien. T'as lancé quand même le cheval dans la bataille, parce que dès le début, t'étais à la pointe du combat. Oui, oui, tout à fait. Bah, Joss part toujours très bien, forcément, donc j'ai pris son dos. Et ensuite, bon, t'es 4-5e rideau, mais bon, le wagon 2 s'est formé avec Bodegel qui est revenu à 1000 mètres. Je pense qu'il n'a pas démérité, bien au contraire. Frédéric, le piège s'est refermé sur ton cheval dans les tournants. Franck, il savait plus où le mettre. Bah ouais, emmuré. Et puis, des fois, ça se goupille bien. Là, les deux, ils commencent à suivre Bros Trombadour qui met le nez à la fenêtre. Et puis, il repasse au pas aussi. Bon, c'est les courses. Hein. Mais bon, par contre, c'est... Je suis d'un autre côté. On est toujours un peu déçu d'être 5. Mais j'aime mieux qu'il soit 5e en grimpant les autres dans les tournants que 5e mort parce qu'il est pas assez bon. Quoi. Ouais, et puis, en plus, il a quand même remis un petit coup de sympa dans la ligne droite, il vient chercher la 5e place. Ouais, il revient chercher sans déboucher les oreilles. Non, c'est vraiment bien. On est toujours un peu déçu, mais d'un autre côté, je suis quand même content parce que j'avais un petit doute sur les 2007. Et là, le cheval était bien. On l'avait allégé un petit peu, il était bien. Donc, il continue à être sur la montante. Voilà. Mathieu, Biche, 6e, c'est une déception. Oui, un petit peu. Là, après, on peut pas y en vouloir. Là, je viens de faire une très belle année. Un peu défraîchi, sûrement. Même si je suis loin, je suis dans le bon wagon, je suis dans le 2 de Brillantissime et Billy de Montfort qui sont 2 et 3. Elle aurait dû venir 4. La vraie biche des clous aurait dû venir au moins 4. En train de droite, elle n'a pas été capable de pousser son effort et tout simplement moins bien, elle va partir en vacances. Bébé, Brutus, tes impressions d'après-course, l'attaque de Bold Eagle dans les tournants lui a fait mal, mais est-ce que déjà avant, tu le sentais bien ton cheval? Non, comme j'ai dit à plusieurs reprises dans la presse ou sur Equidia, on a eu une épidémie à la maison, le cheval a fait partie des derniers touchés. En plus, on a eu pas mal de soucis de pied, une petite douleur à un boulet, on a fallu qu'on soigne tout ça. Et comme je disais à Jean-Mi, hein, j'ai fait de la branlette à la maison, et donc voilà, ça paye aujourd'hui. Quoi. Donc, je ne vais pas dire que c'est pas une surprise, mais enfin, c'est toujours une déception. Le fait quand même que dans le dernier tournant, je ne vais pas dire qu'il était en perdition, mais il n'était pas. C'est pas le Brutus qu'on a vu par le passé. Non, bah après, à mon avis, celui à Sébastien, c'est un extraterrestre. Hein. Il part pas, il fait le tour des autres, personne ne le ramène. Nous, on est en 13 devant, il accélère, il va au poteau, il n'y a rien à dire. À mon avis, au pire, on aurait été deuxième, c'est tout. On n'aurait jamais gagné. Le cheval, après, Jean-Mi, il a posé main à très ligne droite. À mon avis, on va être très bien pendant 15 jours. Ah.